Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour toutes vos interactions avec cette chaîne qui font qu'elle grandit et que ces messages arrivent à de plus en plus de monde. Merci infiniment. Merci aussi pour toute votre confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, et bien écrivez-moi à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la publication, et puis je vous enverrai toutes les informations. Voilà, et puis pour les nouveaux et nouvelles, je n'ai qu'une chose à dire, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez passer un bon moment sur cette chaîne, que vous allez y trouver ce que vous cherchez, et puis que vous allez avoir terriblement envie de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, ce tirage, il est pour les célibataires, mais il n'est pas que pour les célibataires. Il peut être aussi pour les personnes qui sont en couple, mais qui ont envie de connaître d'autres personnes. Pas, je ne parle pas d'amour, là. Des amis, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Donc, ce n'est pas forcément une histoire d'amour. Moi, évidemment, vous me connaissez, je vais plutôt la prendre en histoire d'amour. Mais vous pouvez aussi vous dire, « Oh non, là, je m'ennuie un peu, j'aimerais bien avoir plus d'amis. Tiens, quel est le nouvel ami qui va venir dans ma vie ?» Donc, voilà. C'est une personne qui arrive dans ta vie. Alors, qui est cette personne ? Comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie? Et enfin, on va mettre une troisième ligne pour ce que les cartes ont envie de nous dire. Et on va essayer de déterminer une date exacte, le plus exacte possible, pour savoir quand est-ce que cette nouvelle personne, c'est pas forcément une nouvelle personne, c'est une personne qui arrive dans ta vie, quand est-ce qu'elle arrive. Voilà, voilà, vous avez le plan. Donc maintenant, on va préparer les cartes. Alors, d'abord, on a envie de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie. Alors, qui est-ce? Voilà. Voilà la personne qui arrive dans ta vie. Ok. Alors, maintenant, on va voir comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie. Voilà. Et enfin, on va voir la troisième ligne, que ça, je laisse pour que mes cartes puissent s'exprimer librement. Alors, ok, maintenant, on va mettre notre Twin Tarot Oracle pour en savoir un petit peu plus sur cette personne qui arrive dans ta vie. Alors, voilà qui est cette personne, voilà comment cette personne va arriver, et enfin la troisième ligne qui va nous apporter des informations auxquelles on n'a pas forcément pensé et auxquelles on pense pas, qu'on pense pas demander. Alors maintenant on va rajouter des énergies. Alors, les énergies, qui est cette... Ah, ils sont à l'envers. J'aime pas que mes cartes soient à l'envers. Voilà. Alors, qui est cette personne. Voilà, maintenant comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie, et enfin la troisième ligne. Ok, c'est bon. Maintenant on va mettre des cartes, et on va mettre 5 cartes. On va commencer par mettre avec nos petites sorcières pour savoir qui est cette personne qui est en train d'arriver dans ta vie. On ne sait pas encore quand, on verra le quand à la fin du tirage. Alors, qui est cette personne? Voilà, ça c'est cette personne qui arrive dans ta vie. Qui est-elle? 4 et 5. Ok, donc ça, on sait maintenant que c'est comme ça, c'est la description de cette personne. On va voir, il va falloir l'avoir bien en tête. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà et que tu vas reconnaître. Alors, maintenant, on veut savoir comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie. Par exemple, ça t'aide à être plus réceptif ou réceptive s'il y a une soirée, s'il y a un voyage, etc. Si on te dit que c'est dans ce genre d'événement. Donc, 3, 4 et 5. Hein, voilà. 3, 4 et 5. Ok, ça c'est comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie. Et enfin, ici, on va voir la troisième ligne. Et avec cette troisième ligne, on va voir quelle information, quelle petite chose en plus les cartes ont envie de nous ajouter dans ce tirage. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok. Donc, on a tout ça. On va rajouter un petit ange, parce que ça fait du bien. Ils sont sympathiques, les messages, c'est des messages très positifs toujours. Donc
un petit ange en plus, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, ok. Alors, est-ce qu'on va faire un Lenormand ? Bah oui, mais pour qu'il puisse correspondre à tout le monde, on va faire un Lenormand où il n'y aura qu'une seule personne, qu'un seul protagoniste. Donc comme ça, ça correspondra aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple, etc. Donc voilà donc nos deux options, on a l'option 1 et l'option 2. Pour la première option, on a cette chaussure qui s'appelle Promenade. Et pour moi, c'est la chaussure rose poudrée de Marie-Antoinette avec des perles, avec des pierres, avec un joli talon, avec une jolie couleur, voilà. Voilà la chaussure Promenade pour la première option. Pour la deuxième option, on a Rétroactive, donc une chaussure plus moderne, rien à voir évidemment. On a un jaune qui part sur l'orangé en dégradé, on a du noir et voilà la chaussure Rétroactive. Alors, prenez votre temps pour choisir si vous voulez choisir avec le numéro 1, 2 ou avec les chaussures, mais de toute façon je vais faire au début un petit Lenormand pour vous aider à choisir, pour voir si vous êtes dans cette situation ou non. Alors on y va, on commence donc par la première option et on va faire un petit Lenormand. Donc je décide de ne prendre qu'un seul protagoniste. Comme vous êtes une majorité de femmes, excusez-moi messieurs, mais je choisis madame. Alors c'est qui? Je me suis dit c'est l'homme qui est retombé, ça aurait été drôle, mais non. On se calme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette option de la chaussure Promenade? Et on va mettre une quatrième, sinon on n'aura pas le compte. Ok, alors, est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Ici, on a un bouquet de fleurs. Non, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est du lys blanc. Ici, on a la clé. Ça, c'est toi. On dirait que tu es en train de trouver la solution, de chercher au moins une solution. Et tu as quand même la clé dans tes mains par rapport à ta situation amoureuse. Ici, il y a une lettre. Donc, on dirait qu'il y a des contacts quand même. Et il y a un bateau. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qui viennent de loin, qui te sont arrivées? Est-ce que... Bon, on dirait que c'est, bon, tu ne peux pas t'intéresser à tout. Mais tu es plutôt vers la clé avec l'amour que vers le bateau qui va au loin. Donc, on dirait plutôt qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne et que toi, tu vas prendre des décisions pour aller vers l'amour. Tu veux vraiment... tu en as marre des choses qui s'éloignent, des correspondances, des belles paroles, en fait, hein, qui peuvent être représentées par cette lettre. Mais tu veux quelque chose de plus concret, qui serait comme cette clé déjà, qui apporte une vraie solution, et puis ces fleurs de lys qui sont un amour pur. Alors, on va voir donc qui arrive, quelle est la personne qui arrive dans ta vie. Donc ça, c'est qui est-ce? Qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Puisque de toute façon, on a toujours des personnes nouvelles qui arrivent dans notre vie. Donc ça peut être un amour, ça peut être un ami, ça peut être ce qu'on veut. Alors, maintenant, on veut savoir comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie. Ça, ce sera notre deuxième ligne. Et enfin, on veut voir avec la troisième ligne, et ben, la troisième ligne, juste quelque chose qu'on a à dire en plus. On fera la date exacte après. Ok, je vais voir ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. Qui est-ce? Qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Est-ce que ça va faire du mouvement? Est-ce que, bah, pas tant que ça? On a envie d'en savoir un petit peu plus. Je trouve que c'est un tirage qui est assez amusant. Je pense que c'est la première fois que je fais ce tirage-là. En tout cas, je l'ai pensé en ce moment. Peut-être que ça m'a... Je pense que c'est la première fois. Alors, qui est-ce? Oh oh! Bonjour, monsieur le séducteur. Ici, on a un pur scorpion. Pure séduction. Ici, même si c'est un ami qui arrive, il y aura quand même une espèce d'alchimie, une espèce d'attraction, parce que là, avec ce scorpion, on le regarde, on dit « Oulô !» Pas mal, hein? Donc, on a quelqu'un de très séduisant qui arrive dans ta vie. Alors, ici, on a une lune, mais on a une lune négative. Alors, on est dans le sombre quand même, on est dans l'obscur pour l'instant, avec notre scorpion et notre lune négative. Est-ce que c'est quelqu'un que ton intuition te dit... Attention, ça pourrait déstabiliser tout. On sent comme ce loup qui crie à la lune, mais la lune, elle est juste en éclipse. On va voir comment on interprète tout ça. Alors, on a la lutte. Ça ne m'étonne pas de notre ami scorpion. On a ici une reine d'or. On a le fou, le mât. Deux reines déjà, reine de bâton.
on a un as de coupe et on a un 3 d'or. Alors, qui est cette personne d'abord, hein? Aïe, 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 qui est cette personne? Bon, on a vu que c'était quelqu'un de plutôt sombre, plutôt profond. On voit que c'est quelqu'un de plutôt batailleur, hein. On est vraiment dans le côté assez attaquant du scorpion. On a quelqu'un qui a deux femmes dans sa vie, on dirait, hein, puisqu'on a une reine de bâton et une reine d'or. Et là, on est en train de demander, mais qui est cette personne? Et c'est une personne qui est dans un moment de libération, justement, de ces deux femmes. C'est-à-dire que peut-être que cette personne a été très docile, a accepté beaucoup de choses. En général, celle-là, c'est la mère et celle-là, c'est la femme. C'est dans ce jeu-là, hein, parce que évidemment, j'ai mes critères suivant chaque jeu, mais très souvent, la reine d'or, dans ce jeu-là, comme elle a justement les cheveux un petit peu plus blancs, me fait souvent penser à la mère, et celle-là est plus jeune, c'est souvent la femme ou la femme qui attire. Donc, on sent que c'est une personne qui est en train de se libérer, peut-être une personne qui est en train de divorcer, par exemple. Il y a vraiment un processus de libération. C'est une personne qui veut aimer, puisqu'on a quand même un as de coupe, qui a envie de s'ouvrir. Disons que cette personne est dans ce processus de libération seulement avec cette ou ces femmes. On sent que cette personne, elle n'a pas perdu l'envie d'amour, en fait, hein, d'aimer. L'envie d'aimer. on va recommencer à chanter. Bon, donc un as de coupe, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui a l'amour dans les veines, comme ce séducteur qui a envie toujours de retrouver l'amour, d'essayer de nouveau. C'est pas quelqu'un de dépressif, c'est pas quelqu'un qui dit j'y crois plus, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Non, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui est assez sympa puisqu'on a le 3 d'or et j'aime beaucoup cette carte. Ça montre quelqu'un qui participe de manière générale, qui trouve sa place, qui apporte son grain de sable et qui fait en général quand il y a une bonne organisation avec ce 3 d'or. Donc je pense que c'est une caractéristique. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très professionnel dans son travail et ça marche bien de manière générale dans son travail. Donc voilà, on a quelques informations sur cette personne. Le plus important, je pense que c'est cette libération. Et puis bon, bah notre séducteur. Alors, ok, bon, on sait qui c'est maintenant. Maintenant, on a envie de savoir comment tu vas faire rentrer en fait cette personne dans ta vie. Comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie? Alors, on a des cartes fortes ici, hein, puisqu'on avait un pur scorpion. Ici, on a un pur bélier. Donc, encore la lutte. Alors, ici, on a une justice positive. On va voir comment on interprète tout ça. On a ici la voix intérieure, on a un 4 de bâton, encore la justice, donc c'est assez choquant d'avoir deux justices. On a le 9 de coupe, le chariot et le chevalier d'or. Alors, un truc qui m'est venu comme ça, certainement cette personne va venir en voiture la première fois que vous allez vous voir, puisqu'on demande comment cette personne arrive dans ta vie et on arrive avec le chariot. On a l'impression que cette personne elle arrive soit dans une charrette, mais c'est malheureusement moins probable, mais plutôt en voiture, on dirait cette sensation-là. Alors, comment cette personne arrive-t-elle dans ta vie? On a l'impression qu'elle arrive directement chez toi, puisqu'on a cette notion de foyer, d'intérieur, avec le 4 de bâton. Donc, on a vraiment cette sensation de, bah tiens, cette personne, si tu vas faire une fête chez toi, si tu vas recevoir des amis et dire, bah tiens, amène tes amis aussi, on dirait que c'est comme une réunion qui se fait chez toi. Alors, je sais, par les temps qui courent, on fait peu de réunions chez soi. Et comment elle peut être l'autre manière de rencontrer des personnes quand vous êtes chez vous? Eh bien, bonjour, Internet. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit une personne qui te contacte par Internet. Je pense que cette personne va te contacter, que tu n'as pas à faire quoi que ce soit, puisqu'ici, on voit une personne très offensive. Offensive dans le sens, c'est une personne qui fait les premiers pas, qui bouge en général. Alors, cette double justice,
Alors, ça peut ressembler à un symbole de quelque chose, d'une application sur Internet. Je ne les connais pas, mais on dirait, tu sais, le côté comme ça, la balance comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc genre trouve ton autre moitié ou quelque chose comme ça. Ça peut ressembler à un espèce de symbole, qui sait, d'Internet. On sent aussi que ce n'est pas quelque chose de très déstructurant. Quand cette personne va arriver dans ta vie, c'est pas un truc choquant, c'est pas un truc où tu vas te dire oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je fais, c'est super dur et tout. Non, c'est stable, c'est pas quelqu'un qui va te déstabiliser. Par contre, avec ta voix intérieure, on sent que tu vas tout de suite comprendre, tu vas tout de suite avoir quelques petits messages internes qui disent oh là, cette personne-là, elle... c'est cette personne-là, la personne dont parlait Cassandre, c'est cette personne-là. Donc voilà, chez toi, donc pas déstabilisant. On a le côté famille-ami, donc pour moi, avec le 9 de coupe, on a le côté grande réunion, où vous avez alors un mariage, un baptême, enfin bon, toutes ces réunions où il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont normalement tous sympathiques et plus ou moins amis. Donc je pense que c'est bien probable que cette personne te rencontre comme ça. Alors maintenant, est-ce que cette personne peut aussi te raccompagner dans sa voiture, puisqu'on le voit, ici cavalier, donc on a l'impression que dit allez viens, tu montes avec moi sur en plus c'est lui qui possède l'or, donc c'est lui qui a le cheval et qui dit tiens tu viens avec moi, je te raccompagne, quelque chose comme ça, pour cette rencontre de comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie. Donc plutôt une réunion, plutôt une personne qui va venir en voiture, voire même te raccompagner en voiture, et sinon la possibilité que ce soit quand même chez toi, que ça se passe avec une rencontre plus cybernétique, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne ? Parce que jusque-là, on sait qu'on voit un peu le profil, on voit un petit peu comment tu vas le rencontrer, mais on ne sait pas si c'est une grande histoire d'amour, on ne sait pas si ça va être juste une histoire d'amitié, qu'est-ce qui va se passer entre vous. Donc, en fait, je pense que c'est là-dedans que la troisième ligne devrait s'exprimer, mais je ne sais pas. Alors, ici, on a on a un petit fou là, qui est justement un fou, qui est enfermé, qui est emprisonné avec le Capricorne et le Verseau. On a les amoureux qui sont en berne ici, avec les amoureux en négatif. On a la comparaison, 2 d'or, 9 de bâton, 10 de bâton, 6 de coupe et une reine de bâton, c'est-à-dire cette même reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire cette personne dans ta vie ? Je ne suis pas sûre et certaine que cette personne vienne vraiment pour une histoire d'amour avec toi, mais elle vient pour faire bouger les choses. Je pense qu'elle vient pour t'ouvrir les yeux. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est justement dans un moment de libération. Et je pense que cette personne, ce qu'elle vient t'apporter, c'est la libération aussi. Donc, te faire te rendre compte, en fait, que tu n'es pas forcément bien dans la situation dans laquelle tu es. Alors, ça peut être avec la personne qui te plaît, ça peut être évidemment en couple, mais ça peut être aussi dans ton travail, ça peut être dans plein de situations différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que cette personne t'amène une autre perspective, puisqu'ici on a carrément la comparaison. Donc tu vas pouvoir comparer ta situation avec la situation de cette personne et te dire attends, pourquoi, si ça a bien marché pour lui ou pour elle, et pourquoi ça pourrait pas marcher avec moi aussi. Donc pour moi, cette personne vient, on parle pas d'amour vraiment ici, on parle d'une situation qui n'est pas agréable, que ce soit au travail, ici ce serait ces amoureux qui sont en berne pour dire t'as pas trouvé chaussure à ton pied, t'es pas bien dans cet endroit là ça peut être en couple que tu te dis ça va pas, ça manque de quelque chose, il y a plus l'étincelle. Dans n'importe quelle situation de ta vie, il y a plus l'étincelle, et d'une manière ou d'une autre, ta liberté d'expression, ta spontanéité se retrouve derrière les barreaux. Donc cette personne-là, en la comparant, en voyant ce côté très lutteur de cette personne-là, je pense qu'elle va te donner l'étincelle, elle va te donner la force de dire « Ok, ça va pas, je vais faire un gros changement ». On voit ça, donc ici tu es plutôt au début, avant de rencontrer cette personne, très occupée, beaucoup de choses à faire, et dans l'attente, 9 de bâton, ça ira mieux.
ça va aller mieux. Si je continue à faire des efforts et de me faire bien ma vie très occupée, ça va aller mieux, ça va aller mieux. À un moment, quand j'aurai allumé toutes les bougies, il y aura la magie qui va se faire. Et là, en fait, tu vois cette personne qui arrive finalement dans ta vie pour te faire passer un message et qui te dit non, pas du tout. Tu dois changer. Tu dois faire le gros changement, le même gros changement que moi, je suis en train de faire dans ma vie. Bah, toi aussi, tu vas devoir le faire. Donc, changer de travail, déménager, divorcer, rompre avec la personne avec qui tu es, enfin bon, toutes les possibilités de changement de cycle, en fait, avec ce 10 de bâton, cette personne, c'est ça qui vient t'apporter. Après, on verra s'il y a des choses qui se vivent en plus avec cette personne ou pas, mais c'est vraiment arrêter quelque chose du passé, puisqu'ici, on a un 6 de coupe, donc c'est vraiment laisser le passé derrière, et maintenant, j'interprète cette reine d'une autre manière. J'interprète que c'est cette personne, en fait, qui est montrée comme cette reine de bâton et qui te passe le bâton, en fait, qui te dit « Vas-y, maintenant, toi aussi, tu vas être cette reine de bâton. Moi, je me suis libérée de toutes les contraintes que j'avais. Je suis devenue reine de bâton ou roi de bâton, suivant les cas. Et maintenant, toi aussi, tu vas devenir reine de bâton ou roi de bâton. » Le roi de bâton, la reine de bâton, c'est un leader, c'est une personne qui prend ses décisions seule, qui est indépendant, qui est fort, très très fort, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions, mais qui a quand même ce feu sacré et cette énergie, cet enthousiasme. Donc voilà, on n'a pas vu quelqu'un qui arrive dans ta vie pour une histoire d'amour spécialement, on a vu quelqu'un qui arrive dans ta vie pour une libération, pour une prise de conscience de ce qui ne va pas, de ce qui ne marche pas dans la situation. Donc voilà, c'est une belle histoire. Pour moi, c'est une belle rencontre, plus qu'une belle histoire, parce qu'il n'y a pas forcément d'histoire qui va se passer avec cette personne-là, mais il y a vraiment une très jolie rencontre, et ça vaut vraiment la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange? Alors, eh bien, nous avons un 6 alias les amoureux. Ça, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas du tout parce que justement, on se disait, bon, c'est pas forcément, c'est plutôt quelqu'un de passage qui vient avec un message. Et là, on te dit, ouvre ton cœur. Ok, laisse que l'amour grandisse et se prenne sa place autour de toi. Ça fait longtemps que tu attends ce moment et le moment vient d'arriver. Choisis avec ton cœur et suis le chemin qui t'amène à une vie heureuse et saine. Voilà, donc il y a un choix avec cet amoureux et de suivre son cœur, d'arrêter d'attendre que ça aille mieux, de vraiment profiter de l'exemple de cette personne pour te libérer, pour aller vers les nouvelles choses et les belles choses qui t'attendent. Comme cette personne a toujours l'espoir en l'amour, eh bien, toi aussi, et aussi l'espoir dans le fait de trouver un travail dans lequel il soit épanoui. Enfin, bon, tout cet espoir qu'on peut avoir avec cet espoir de sentiment réussi, on va dire, qu'on peut avoir avec l'as de coupe. Voilà, et eh bien c'est un joli tirage, je trouve. J'ai beaucoup aimé. C'est une rencontre intéressante. Donc voilà, vous me direz si vous... Ah non, j'ai oublié, attendez. Bon, j'arrête le son de mon portable parce que ça m'énerve, mais j'ai oublié la date. Ça y est, on ne sera plus gêné normalement par les bruits de technologie. Alors, la date de l'arrivée de cette personne qui devrait t'ouvrir les yeux et t'apporter énormément de choses. Alors, est-ce que c'est des jours? Est-ce que c'est des semaines? Et est-ce que c'est des mois? Alors, la papesse, le soleil et l'empereur. On y va. Papesse. Soleil, empereur, ok, c'est parti. La papesse, le soleil et l'empereur. Ok, papesse, soleil, empereur, c'est parti. Soleil, ok, on a donc des semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme autre côté de la fourchette. Donc, d'ici 6 semaines, tu pourrais rencontrer cette personne qui devrait être assez intéressante dans ta vie, qui t'amène en tout cas un grand message. Alors, 1, 2, 3, 4, 4. Entre 4 et 6 semaines, donc un mois et demi,
tu devrais avoir cette personne qui rentre dans ta vie. Donc voilà, ouvre bien les yeux. C'est pas forcément une histoire d'amour, peut-être que cela deviendra, mais vraiment c'est une rencontre qui va faire, qui devrait changer ta vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça ferait vraiment vraiment plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Alors, on finit de ranger les cartes. Alors, voilà. Libération. Alors, ok, c'est parti. Donc, je range tout ça et on va partir avec notre deuxième option. J'ai nommé Retroactive. Retroactive, ici, on a nos cartes. Et on va faire ce petit Lenormand pour voir... Non, se retourne pas. Surtout quand c'est un serpent qui se retourne. Merci, mais la toxicité, elle s'en va. Ok. Alors, non, la bague. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses toxiques avec cette bague. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut pas accepter la bague ou quoi? Il y a un serpent dans la bague. C'est un petit peu désagréable cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va donc prendre donc, cette personne pour savoir cette personne, des choses sur cette personne qui arrive dans ta vie. Il faudrait d'abord que tu te reconnaisses pas mal dans cette option. Donc, on y va. Ok. Alors, ici, on a une petite maison. Alors, il y a du mouvement dans la maison, il y a du nettoyage. Ici, on a la faux. On voit que c'est une maison qui est bien nettoyée. Ça, c'est toi. Donc, on voit que tu as envie de faire du changement dans ta maison. Donc, ça peut être que tu as envie de déménager. Ça peut être que tu as envie de te séparer de quelqu'un. Ça peut être que tu as envie de partir du domicile de tes parents. Enfin, bon, il y a du changement dans la maison. Ici, on a des petites fleurs. Et ici, on a un enfant. Alors, ça pourrait être une relation avec quelqu'un de plus jeune, mais tu ne le regardes pas du tout. Sinon, ça peut parler à ce moment-là, parce que tu ne peux pas forcément regarder des deux côtés en même temps, mais on sent qu'il y a de l'amour. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'il y a des rêves d'enfance que peut-être que tu ne regardes pas assez? Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué de voir cet enfant derrière, mais bon. Alors, donc, cette personne, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Voilà, ça c'est pour savoir qui est-il ou qui est-elle. Voilà, donc j'ai mis une carte en plus, voilà. Ok, bon, ça fait partie des choses comme ça quand je ne me rends pas compte. Hein. Ici, c'est savoir comment cette personne arrive-t-elle dans ta vie. Et enfin, la troisième ligne où en fait, je pense que ça va raconter un petit peu, comme dans l'autre, qu'est-ce que cette personne vient apporter dans ta vie, qu'est-ce qu'elle vient y faire. Voilà, notre petit ange, on va voir sa vue du dessus et au travail. D'accord, alors qui est cette personne qui arrive dans ta vie? On verra après la date, mais qui est-ce? Alors, ici, on a quelqu'un plutôt de libéré, encore une fois. Hein, on voit des gens comme des libérateurs qui arrivent dans vos vies. Ici, on a une balance avec un verso. Alors, on a un pendu, mais c'est un pendu positif. Donc, c'est quelqu'un... alors, est-ce que c'est quelqu'un qui pratique la méditation? On sent une certaine spiritualité hein, avec ce pendu qui est même illuminé. Donc, c'est une personne qui est capable d'être dans des situations de blocage, mais qui ne va jamais se stresser. Pour moi, c'est vraiment pas quelqu'un de stressé, c'est plutôt quelqu'un de... qui a beaucoup de paix intérieure, qui accepte chaque situation telle qu'elle est. Donc, je trouve ça extra. Voilà, on a vraiment la description. Voilà, c'est quelqu'un qui laisse aller, qui se laisse emporter par le courant, qui ne va pas commencer à s'énerver, à lutter, à être... Non, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la mouvance de l'univers, qui comprend que voilà, ça ne sert à rien de se battre contre le destin. Et voilà, c'est quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un de très spirituel qui arrive. Alors, on a un 7 d'épée. Alors, peut-être que sa spiritualité, cette personne va la cacher, puisque bon, c'est pas toujours accepté de parler de spiritualité. Des fois, on est un peu vu comme des petits bizarres, parce qu'on dit, attends, pourquoi, c'est quoi cette histoire? Tu tires les tarots. Donc, on a donc un 7 d'épée, on a la force, ok. On a un 8 de bâton, parce qu'on a beaucoup de cartes là. Donc, c'est un roi de bâton, d'accord.
avec une impératrice et avec un chevalier de coupe. Ok. Bon, l'impératrice, je ne sais pas encore comment l'interpréter. Est-ce que ça veut dire que cette personne va avoir une histoire avec toi? Est-ce que ça veut dire que cette personne est déjà en couple? Les deux sont possibles et on va vraiment s'en rendre compte par la suite. Donc, on a envie de savoir sur cette personne. Donc, c'est une personne très libre, très spirituelle, très libéré, mais qui ne le montre pas à tout le monde. C'est plutôt quelqu'un qui va se retenir. C'est quelqu'un qui a une grande force mentale, une grande force intérieure. C'est quelqu'un de très vif. Là, je vais interpréter le 8 de bâton, pas comme cette petite qui se fait un peu, qui sait pas bien comment faire. Là, au contraire, j'ai envie de l'interpréter comme les bâtons qui ont été lancés par le roi de bâton. C'est quelqu'un d'extrêmement vif, d'extrêmement rapide, qui prend des décisions quand il le faut, qui est une âme de leader avec le roi de bâton, indépendant. C'est vraiment quelqu'un d'organisé, d'intelligent. Alors, cette impératrice, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un justement qui a quelqu'un de très important dans sa vie? Pour moi, c'est quelqu'un qui, en même temps qu'il est très organisé, peut aussi suivre son cœur et être un peu plus léger, on va dire, dans le côté sentimental, puisqu'on est qu'un petit chevalier. Bon. Mais je ne pense pas que ça se voit à l'œil nu, puisqu'ici on a une carte du 7 d'épée, que là j'ai envie d'interpréter comme quelqu'un de plutôt secret, mystérieux, timide, non? Qui ne va pas commencer à expliquer. Ce n'est pas ces gens qui jettent leur spiritualité devant tout le monde. Non, mais moi, si tu veux, à 16 ans, j'avais déjà tout compris à la vie. Je faisais déjà 2 heures de méditation par jour. Et voilà. Bon, il y a des gens qui aiment en mettre plein la vue sur le fait qu'ils font de la méditation et qu'ils comprennent tout. Et puis, il y a des gens qui méditent. Et qui n'ont pas la nécessité de parler de leur méditation ni de ce qu'ils y ont découvert, etc. C'est plutôt ce type-là de personne. Donc, comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie, puisque elle arrive? Alors, ici, on a une reine. Donc, ça pourrait être cette même personne. Ça pourrait être par sa femme, hein, ou par son mari. Ça dépend des cas, que cette personne arrive. Alors, ici, ce n'est pas cette personne-là, parce que j'allais dire. On n'a pas du tout le côté démonstratif vers l'extérieur. Donc, ça va pas du tout avec cette reine qui est plutôt à se montrer, qui est plutôt dans le doré. Donc, ici, un mélange de taureau et de lion. Donc, c'est par cette personne-là que tu vas rencontrer une personne qui est à peu près diamétralement opposée. Alors, on a ici un fou, un mât positif. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver de manière très folle, très imprévue, très bizarre. On a ici la conscience, donc on revient vraiment à la spiritualité de cette personne qui est assez impressionnante. On a un 4 d'or, on a un 2 de bâton, donc ça me fait penser que cette personne pourrait être à l'étranger, puisque j'aime bien voir le globe terrestre sur ce 2 de bâton. Et vraiment, à notre époque, c'est vrai qu'on peut quand même se permettre de rencontrer des gens qui habitent à 1 000 km sans aucune difficulté. Donc je pense que ce 2 de bâton peut avoir un rapport avec tout ça. On a un as de bâton, ok. On a un 10 d'épée. Il y en a un 2 d'épée. Alors, merci, c'est simple. Comment cette personne va-t-elle arriver dans ta vie? Donc, est-ce que c'est toi, cette personne-là, qui est assez diamétralement opposée? C'est possible. Il faut bien qu'il y en ait une personne qui brille pour pouvoir attirer l'autre et pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, avoir ce contact qui se fasse. Je reviens sur le côté très sobre de cette personne, puisqu'ici on a ce 4 d'or, donc on a le côté très discret, très en retrait en général. Il y a cette rencontre ici avec l'as de bâton. Est-ce que c'est on ne voit pas de voyage, on ne voit pas de réunion familiale, on ne voit même pas de réunion entre amis, on voit juste un 10 d'épée. Alors, et évidemment, il y a une possibilité, mais qui va pas être pour tout le monde. Un enterrement, ça pourrait être qu'il y ait un enterrement et que vous vous rencontriez à un enterrement, ou une nouvelle. Par exemple, je pense à quelque chose, puisque le 10 d'épée, c'est quand même quelque chose de très dur, de très, 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 très difficile. Je pense à la guerre,
qui est en train d'arriver. Et est-ce que c'est pas, bah, par exemple, un exemple simple que, je sais pas, tu regardes sur Facebook ou sur je ne sais quel réseau social un article sur ces faits terribles et que tu écrives un commentaire et que cette personne, tout d'un coup, bah, te répondre en te disant bah oui moi moi je connais ci, je connais ça, ou je suis là-bas, ou je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais ce qu'on sent, c'est que vous vous rencontrez autour d'un événement qui est dur, hein, puisque ce 10 d'épée est très pas morbide mais limite quand même, hein, puisque pour moi ça peut vraiment représenter soit un cimetière, un enterrement ou une conversation sur des événements tragiques avec des morts en général. Moi, je l'interprète comme ça, vous pouvez l'interpréter d'une autre manière, il n'y a aucun problème. On a un 2 d'épée, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un coup de foudre. C'est, pour moi, c'est ça. Au début, tu vas voir cette personne-là, tu vas dire « Ouais, c'est sympa, elle m'a répondu. Bon. » Et ce n'est pas le truc où tu vas dire tout de suite « Waouh, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. » Non, il y a comme une... Voire même, tu, au début, tu te dis « Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il m'a répondu? Pourquoi il continue de m'écrire ?» C'est limite, quoi. Voilà, ok. Voilà donc comment cette personne arrive-t-elle dans ta vie. Donc, vous me direz après comment elle est arrivée, que représentait ce 10 d'épée. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, troisième ligne, je pense, ben, j'ai envie d'interpréter cette troisième ligne comme « Qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie ?» Mais on va voir qu'est-ce que j'ai envie de dire. Oh, comme c'est charmant. Alors, je répète toujours, cette carte, c'est la carte de l'avortement. Et je veux répéter toujours à toutes les femmes enceintes, ça n'a rien à voir avec un vrai avortement. Pour moi, je ne fais jamais aucune question de santé. Donc, vous ne pouvez jamais voir un truc de santé ici. Quand je vous parle, par exemple, du cimetière, c'est jamais quelque chose qui va vous concerner, vous. Donc, oui, il peut y avoir la femme de votre patron ou la mère de votre patron qui malheureusement... décède et bon bah voilà, il y a un enterrement, mais hein, j'essaye de ne jamais toucher des sujets sensibles comme la santé et la mort en général. Donc ne vous inquiétez pas, vous femme enceinte qui est en train de regarder ce tirage, cet avortement n'a absolument rien à voir avec le bébé que vous avez dans votre ventre. Donc ici on a une cancer avec un scorpion et on voit ici un avortement. On va voir un petit peu comment on l'interprète. On a un empereur positif, on a plus loin que l'illusion, la route fortune, où est-ce qu'elle nous emmène? Ah d'accord, bon, on a le magicien, le battleur, 5 de bâton, 8 d'or et 10 d'épée, double 10 d'épée, mais c'est un 10 d'épée qui est beaucoup plus positif, parce que ça c'est un 10 d'épée où on avait ici la mort, et ici on a la renaissance avec le phénix, donc c'est un 10 d'épée qu'on a plus de plaisir à regarder que l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne? Cette personne qui vient, elle vient t'apporter quelque chose puisque c'est un empereur. Donc normalement, on pourrait dire que cette personne, elle vient pour vivre quelque chose de fort. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression quand même que son cycle est assez réduit puisqu'on l'a ici directement. C'est-à-dire que cette personne va te faire évoluer dans ce cycle de la vie, dans la route fortune. Il y a un nouveau commencement avec cette personne. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Elle va t'apporter le 5 de bâton. Elle va t'apporter comme une certaine force, en fait. Peut-être pour t'aider à résoudre certains conflits avec des personnes de ta famille ou de ton entourage. Je pense que cette personne va t'apporter des solutions, des aides, de la force. Elle va aussi t'apporter de l'aide dans ton travail pour peut-être trouver ta passion, trouver vraiment ce qui te plaît, ce qui est fait pour toi. On sent que c'est quelqu'un qui est, pour moi, c'est quelqu'un qui est de passage, mais c'est quelqu'un dont tu te souviendras. C'est quelqu'un qui va te faire éliminer les projets qui ne servent à rien, puisque là, bon, pauvre bébé, c'est vraiment horrible comme image. Mais pour moi, cet avortement, c'est décider d'avorter certains projets, certaines choses. Par exemple, si tu pensais déménager, eh bien, on te dit non, c'est pas ça, il faut pas. On avorte le projet de déménager. Ce serait quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça pourrait presque être un 8 de coupe, ça pourrait presque laisser des choses derrière. L'empereur qui va te... Pour moi, cette personne t'ouvre les yeux avec le plus loin que l'illusion. Nouveau cycle,
Mais après, cette personne s'envole comme le phénix. Elle aura accompli sa mission. D'ailleurs, regardez, elle vient en volant, elle repart en volant. C'est Mary Poppins. Hein, on avait déjà eu un tirage avec Mary Poppins qui venait. Pour moi, c'est vraiment Mary Poppins. C'est quelqu'un d'extrêmement spirituel. C'est quelqu'un qui a énormément de choses à t'apporter, qui vient pour te faire faire les changements nécessaires dans ta vie, qui va vraiment t'apporter dans ton entourage et dans ton travail, surtout vraiment à te trouver, à voir ce que tu dois faire, ce que tu veux faire. Et après, bon, bah voilà, sa mission sera accomplie et elle pourra aller dans la vie de quelqu'un d'autre pour aider quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, bah voilà, ce pendu justement, hein, cette personne qui a cette clarté, voir avec clarté. C'est justement cette personne qui va t'ouvrir les yeux et t'apporter cette clarté. C'est, en ce moment, tu as besoin d'observer les choses depuis un autre angle. Savoir voir plus loin que la conjoncture actuelle et se rendre compte de la quantité de possibilités qu'il y a. Ne t'inquiète pas, la pause que tu es en train de prendre pour définir tes objectifs n'est que temporaire. Tu es unique, alors profites-en. Donc voilà, faut pas avoir peur de prendre cette pause. Il faut pas avoir peur de retourner la situation dans tous les sens jusqu'à la comprendre à 100%. Mais pour moi, cette personne est envoyée pour vraiment t'aider à comprendre, à voir la grande image et pas seulement les petits détails, que tu es peut-être en train de te concentrer sur certains détails. Et là, cette personne, elle te donne une vision globale et générale. Donc, on n'a pas une histoire d'amour pour moi du tout, mais on a une personne qui vient pour t'apporter beaucoup de choses. Alors, on va voir quand arrive cette personne. On va voir si c'est des jours avec le diable, si c'est des semaines avec le fou et si c'est des mois avec la tempérance. Ok, le diable, le fou et la tempérance. Ok, diable, fou, tempérance. Alors, le diable, le fou ou... tempérance, on va voir ça. Ok, alors bon, le diable fout la tempérance, on vous attend. Ok, tempérance, on a des mois. Alors, on va voir si on trouve quand même notre diable et notre fou. Le diable et le fou. Ok, on a donc la tempérance, donc on a des mois. Et on a déjà pas mal de mois dans la main. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mois, bon. Prends ton temps, tempérance. Alors, on y va. 15 mois, on va voir si on a une fourchette un tout petit peu plus proche pour les vénards. Alors, quand est-ce qu'arrive cette personne qui a beaucoup de choses super à t'apporter? On va voir quand est-ce qu'arrive notre tempérance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, merci, 16, 17, 18, ah ben voilà, entre 15 et 18 mois, en gros, vous êtes tranquille pour toute l'année, hein, vous pouvez commencer à vous en soucier que l'année prochaine, notez-le dans l'agenda de l'année prochaine, voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous apporter beaucoup, mais seulement quand vous serez très très, faut être très très patient, et vous vous souviendrez plus de ce message, c'est le plus probable quand même, donc voilà. J'espère que cette personne va se décider à venir un petit peu avant, dans la plupart des cas. Voilà, parce que bon, vous savez que les dates, on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est toujours assez compliqué. Donc voilà. Bon, ben, j'espère quand même que ce tirage vous aura plu, évidemment. S'il vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne, parce que ça me ferait très plaisir. Voilà. Bon, et bien écoutez, je range un petit peu mes cartes, mais en fait, ça sert à rien parce que la vidéo est terminée. Donc, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.